En fait, je suis pas sûre. Je ferais peut-être mieux de pas y aller. Jody, ça fait des semaines que t'as prévu d'y aller, tu vas pas te dégonfler maintenant. En plus, je connais personne. Peut-être qu'ils m'aimeront pas et... Cette robe est affreuse. S'il te plaît, on peut rentrer. Respire bien, ma foule. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Tout le monde t'appréciera, j'en suis sûr. Tu vas t'amuser et peut-être même te faire des amis. Allez. Oh, tu as oublié ton cadeau. Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Il a 50 ans et il est très rare, je suis sûr que ça lui plaira. Allez, t'en fais pas. Tout va bien se passer. Je viens te chercher à 5 heures. Amuse-toi bien. Salut, Jody. Entre. Bonjour. Kirsten, tu te dépêches, il faut que j'y aille. Entre, Jody, fais comme chez toi. Salut. Jody, c'est ça? Viens, on est dans le salon, il y a quelques filles de mon école et des mecs pas trop relous. C'est un cadeau pour moi? Cool, merci. Je m'en vais, ma chérie. Prends soin de tes amis et surtout ne faites pas de bêtises, d'accord? Ouais, maman, comme tu veux. Oh, ça y est, elle s'est enfin tirée. Hé, hey, tout le monde, ça c'est Jody. Elle est dans l'unité 4 avec ma mère. Dans l'unité 4? Le service du paranormal? Ouh, et qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu plies des cuillères ou tu parles avec les morts? Non. Des trucs comme ça? Non. Wouh! Allez tout le monde, je vais chercher la bière. Les gars, fermez les rideaux. Les filles, mettez des bougies. Et Jody, t'as qu'à t'occuper de la musique. On va trop s'éclater! Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi faire. On va mettre un truc de ce siècle. Quelque chose qui décoiffe. Ma mère met plus les pieds dans ma chambre en ce moment. Elle est complètement à la masse. Stan, t'es un génie. Jody, t'en veux une? Ouais, je veux bien. Hé, hey, tu t'es tout ou quoi? Je parie qu'elle a jamais bu d'alcool. Non, c'est pas la première fois. C'est ça, on va le croire. Thank you.
Salut. Moi, c'est Matt. Jody, c'est ça? Je crois que je t'ai jamais vu au bahut. Tu suis pas de cours sur la base? Je suis un programme différent avec un prof particulier. Je vois. Parce que je me serais souvenu de toi si je t'avais déjà vu. Alors, tu bosses avec la mère de Kirsten? Ouais. On travaille dans le même labo. Elle a pensé que ce serait une bonne idée que je vienne pour passer un peu de temps avec des personnes de mon âge, alors... me voilà. Avant, j'habitais à Londres. Et puis on a emménagé ici, il y a 2 ans. Et toi? Où est-ce que t'habitais avant? Sur la base. En fait, j'y ai toujours habité, j'y suis même née. Est-ce que t'as des loisirs? Des trucs que tu fais pour t'éclater? Moi, je surfe dès que j'en ai l'occasion. Et je joue dans un groupe avec des potes. Et toi, qu'est-ce qui te branche? Rien de spécial. Je lis beaucoup, c'est pas... pas passionnant. Jolie, j'ai un truc à te demander. Pourquoi t'es dans l'unité 4? J'ai pas envie d'en parler. Désolé. Merde, je suis trop con. J'espère au moins que je t'ai pas trop contrarié. Non, okay, ça cool. Fait rien. Oh, cool, un slow. Est-ce que t'as envie de danser? Ouais. Tu sais, je parie qu'on te le dit tout le temps, mais t'es super mignonne, je te dis. Est-ce que tu dis ça à toutes les filles que tu croises? T'es pas comme les autres filles que je connais. Y a quelque chose de spécial chez toi. Merci. Mais tu me connais pas vraiment. Jody nous ferait pas une petite démonstration de ses super méga pouvoirs? Non. Excellente non, idée. Je serais curieux de voir ça. Laissez tomber, c'est juste des conneries. Ouais, vas-y, Jody, montre-nous ce que tu sais faire. Alors, Jody, prête pour une démonstration? Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Jody? Bon, taisez-vous. Et arrêtez de bouger. Je suis mort de trouille, je me fais dans le froc. Pas ferme, Steven. J'ai vu quelque chose. Ah, merde, putain, c'était quoi ça? Regardez la télé. Ok, j'en ai assez vu. Ouais, moi aussi. Ouais, c'était vraiment flippant. Je voulais pas... Je voulais effrayer personne. Désolée, je... C'est vous qui avez insisté et... Bon, allez les gars, c'est l'heure de manger ce délicieux gâteau et surtout d'ouvrir mes cadeaux d'anniversaire.
fait, le gâteau attendra, je préfère ouvrir mes cadeaux. Bisous, Jen, joyeux anniversaire. Oh, c'est trop mignon de ta part, je parie que c'est des collants. Un string ! C'est exactement ce que je voulais. Comme ça, tu piqueras plus ceux de ta mère. Et t'amélioreras tes chances de trouver un mec potable. Mon prochain copain manquera pas de te remercier pour avoir rendu sa vie plus... excitante. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un vieux bouquin ? Ah, ça sent le moisi. C'est un livre très rare. Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan qui ? Quoi ? T'as piqué ça dans la bibliothèque de ton grand-père ou quoi ? Non, non, c'est un livre très ancien. Ouais, comme ta robe, on dirait. Non, sérieux, c'est ça ton cadeau ? J'arrive pas à croire que tu sois venu à mon anniversaire pour me donner cette vieille merde. Elle se croit trop intelligente. Mais c'est juste un rat de laboratoire. Exactement, un sale rat de laboratoire. Ouais. En plus, elle m'a suivi comme un petit chien toute la soirée. Elle attendait que ça. Oh, alors c'est une salope aussi. J'avais pas envie de l'inviter, moi. C'est ma mère qui m'a forcé. Ouais, c'est une salope. En plus d'être une sorcière. On devrait peut-être... la punir pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait aux sorcières ? On les brûle. Ah ! Chopez-la ! S'il vous plaît, arrêtez. Oh, maîtresse des ténèbres obscures, montre-nous tes super pouvoirs. Pitié, pitié, oh, sortez-moi de là. Ça depuis le début de la soirée. Je vous en supplie, pitié, laissez-moi sortir. Pitié. Si quelqu'un a parlé de gâteau. Pitié, je veux sortir de là. Pitié, faites-moi sortir, je vous en supplie. Ouvrez-moi. Super drôle, Steven. Mais tu plaisantes, c'était pas moi. Je vous jure que j'y suis pour rien. Peut-être que c'était Jodie. Je parie qu'elle nous en veut. Sois pas débile, on peut pas déplacer des trucs comme ça, enfin. Ça suffit, c'est trop dingue, je me barre d'ici. Hé, mais laisse pas toute seule. Hé, attendez-moi. Merde, j'arrive pas à ouvrir la porte. C'est impossible, essaie encore. Je te dis qu'elle est fermée à clé. Hé, pas de panique, restez calme, ok ? Les fenêtres, on a qu'à essayer les fenêtres. Non, elles sont coincées. Oh merde! Putain de merde! Pas question que j'en fasse!
sais. Elle a essayé de nous tuer. C'est un démon. Cette fille a un démon. Allez, Jodie. Rentrons à la maison.